En 1986, j'avais 17 ans quand je me suis enrôlée, donc il a fallu que mes parents signent pour moi et acceptent là, que je joigne les forces avant d'avoir 18 ans. Je me cherchais quelque chose d'intéressant, je me cherchais quelque chose de difficile, je me cherchais quelque chose d'un peu plus grand que moi auquel je pourrais contribuer. J'ai eu une carrière, un voyage, un temps tout à fait exceptionnel avec les Forces canadiennes. Ça fait 32 ans que je fais ça présentement. J'ai rencontré beaucoup d'obstacles, j'ai eu des échecs, je me suis relevée et j'ai eu des gens qui ont eu assez confiance en moi pour me dire « Écoute, voici ce qui a amélioré. » Ça a moins bien été ici, mais je pense que tu peux continuer avec une autre approche. Donc, j'ai eu la chance d'avoir des gens qui ont eu assez confiance en moi pour m'accompagner là-dedans. J'ai toujours trouvé que l'éducation était extrêmement importante. Pour moi, dans mon cas, j'ai toujours aimé aller à l'école. J'ai toujours été chercher des outils que j'avais besoin à travers l'école. Donc, après une dizaine d'années de service dans les forces, je trouvais qu'il me manquait des outils pour bien faire mon travail. Et ce qui était extrêmement important pour moi comme leader, c'est de m'assurer que je prenais les bonnes décisions, que j'avais les outils pour bien analyser les problèmes qu'on rencontrait. Être à l'aise dans le chaos puis l'incertitude, on est souvent mis dans ce genre de contexte-là comme militaire. Donc, pour s'assurer que nos troupes soient mieux préparées, mieux entraînées, j'avais le besoin d'aller me chercher des outils additionnels. Et j'ai demandé à aller faire une maîtrise. On a plusieurs programmes d'offres dans les Forces canadiennes qui nous permettent justement là, d'aller chercher des outils additionnels. Donc, j'ai demandé à aller faire une maîtrise en administration des affaires pour me donner une meilleure base sur laquelle fonder mes décisions, avoir une meilleure vision stratégique, développer des stratégies et faire tout ça. Ce que les études ont fait pour moi, c'est qu'il a construit ma façon de penser. Ça a accéléré mes rythmes, mon rythme de décision. Ça a accéléré mon niveau de confort dans l'incertitude et quand les choses ne vont pas bien. Parce qu'encore une fois, comme leader ou comme chef, il faut s'attendre à ce que les choses aillent pas bien. C'est pas vrai que les choses se passent toujours comme on l'avait planifié. Et c'est vraiment ce que le MBA m'a permis de faire. C'est vraiment de synchroniser tout ça avec ma vie professionnelle de militaire.